Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Gladys. On s'est réunis pour vous parler d'une soirée qui réunit de plus en plus de passionnés de théâtre et c'est la Glad Glad Party! Party! Dis donc Gladys, Gladscope, Glad Party. Toi, ta chaîne, elle s'appelle comment? C'est pas Martine au théâtre, mais Renan. Je rappelle quand même que Glad, ça veut dire joyeux en anglais, il me semble. Et Renan. Renan, ça veut rien dire en Ouais. anglais, Un mélange j'avoue. suédois, non? Le nom de Glad Party a été choisi sur Twitter au moment de la première édition. Ah, c'est Pas par vrai? moi, par Déborah Longuet. Ah, je savais pas. Alors, la glad partie, c'est C'est quoi? quoi? C'est un moment convivial qu'on passe dans les théâtres qui nous invitent chez eux, entre professionnels, amateurs, passionnés et curieux qui veulent découvrir un peu cet univers et autour d'un verre. Attends. À la Tchin. tienne! Je sais plus ce que je dois dire. Twitter. Un point commun, c'est que la majorité des participants à ces soirées partagent leur passion sur Twitter, et c'est comme ça que cette communauté théâtrale s'est formée. Mais si vous n'avez pas de compte Twitter, on vous accepte quand même. Hein? Non. Non? Ah bon? La première édition a eu lieu dans une cave, à 20, et après les théâtres ont commencé à nous inviter. On en est à la 8e édition, qui a lieu, 8? oui, Qui a lieu? à la Comédie Studio des Champs-Élysées. Voilà. Je savais plus si c'était studio comédie ou comédie À la studio. Comédie Studio des Champs-Élysées. L'année dernière, nous avions fait l'Odéon. L'Odéon, il y a eu le Palais Royal, il y a eu le Poche Montparnasse. Le Théâtre Saint-Georges, le premier à nous avoir accueillis. Ah oui. Et les Champs-Élysées. Et le Théâtre des Champs-Élysées, voilà. J'ai bien révisé. Et chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça me fait chaud au cœur. Ah, j'aime bien ces petits effets spéciaux. Bon, Gladys, comme la Glad Party regroupe énormément de blogueurs et blogueuses théâtre, je t'ai proposé un petit jeu pour voir si on connaît bien les Glad par... Pour voir si on connaît bien les blogueurs et Ok. blogueuses. On a tous les deux préparé des citations de nos blogueurs et blogueuses préférées et on va devoir deviner De qui a qui dit c'est? quoi. Je commence. Il faut digérer, reprendre son souffle, respirer, en sortir. Mon ange au théâtre Tristan Bernard, Lina El Rabi, El Arabi, nous laisse sans voix. À Théâtre Côté Cœur? Ça pourrait? Je sais Alors, je te pas. fais deux propositions, mais trop tard, Ouais. t'en as déjà donné une. Ah bah Donc, du mes coup. deux propositions étaient Théâtre Côté Cœur ou Véro du blog Théâtrel. Est-ce que ça serait pas Véro du blog Voilà. Théâtrel? C'est donc Véro qui nous a fait ce tweet tout en émotion qui est très beau et qui donne envie d'aller voir Mon ange au théâtre Tristan Bernard. C'est vrai que c'était beau. Enfin, le tweet, parce que j'ai pas vu le spectacle. C'est à propos des trois sœurs à l'Odéon. Le spectacle n'est pas lisible pour moi. Je ne comprends pas les personnages, leur motivation. C'est gratuitement vulgaire. La mélancolie de Tchekhov est tellement plus fine. Je dirais que c'est Thomas Ngong du blog Hier au théâtre. Mais moi, je pensais que t'allais dire mort du Mais théâtre. non. Je connais par cœur leur tweet à tous les deux. Putain, t'as gagné. En dehors du même portable qui sonne deux fois, j'ai passé un excellent moment au Rond-Point Paris pour Ça va. La dernière est le 3 décembre, courez-y sans portable. Il y en a plusieurs quand même, vraiment pas les portables. Ah, oh, je sais pas, mais je suis nul à ce jeu. Pourquoi j'ai proposé ce jeu débile? Deux propositions. Est-ce que c'est Suzanne de Mordu de théâtre ou est-ce que c'est Anne Delalleux de Anne Théâtre Passion? Non, mais c'est mort du théâtre. Non, c'est Anne Delalleux de théâtre. C'est annetheatrepassion.blogspot.fr. Putain! Non, pas pour rien, putain. Chut. Oh, mince. Ah oui, c'est moi. Mais t'as l'air trop calé là, j'ai l'impression que c'est pas assez dur ce que j'ai choisi. Après ce intramuros, j'ai eu envie de le prendre dans mes bras ou l'inverse. Je sais pas, je sais plus. Alexis, bravo. Je me cache où? C'est moi. Je pensais que tu reconnaîtrais même pas tes tweets. On sent que t'es la reine du jeu, hein. Le théâtre, c'est un domaine où les êtres et les choses touchent enfin à la liberté. Qui a dit ça? C'est une citation de Louis Jouvet, mais... Mais il a pas Twitter, Louis Jouvet. mais qui a été tweeté par l'Étoffe des Songes pour sa citation du lundi, car tous les lundis, elle nous partage une belle citation C'est pour vrai. commencer la semaine. À toi. Sonné par ses barbelés, le mot est faible, je n'en trouve plus aucun, respirez. Théâtre Côté Cœur. Putain! Mais c'est quand même incroyable! À toi. À propos des trois sœurs, qui dit: Partie au bout de 20 minutes des pseudo-trois sœurs à l'Odéon, la vie est trop courte pour perdre 2h30 devant ce truc. Je sais qui c'est, mais j'ai oublié son nom. Colère. J'ai oublié son nom, mais je vois sa petite vignette. Attends, je vais la retrouver. Non, non, mais c'est... Ah! On a débattu ensemble! C'est elle. Bah oui, mais son nom, bordel! C'est Anne Angelo. Mais je m'en souviens, par contre, on a parlé. Tu vois, mais je retiens pas les noms, c'est terrible. En fait, je vous connais pas, désolé. Ce sera l'occasion, tu viens le 4 décembre. Oui. On n'a pas dit la date Attends, d'ailleurs. il me reste une citation, moi, quand même. Oui, vas-y. J'ai eu l'impression d'être dans un spectacle d'avant-garde des années 70, et c'est à propos du Jan Lowers à la colline.
Est-ce que ce serait Philippe Chevillet? Voilà. J'abandonne. Et ben bravo Gladys, t'as gagné le droit de garder ton titre de Queen de la Glad Party. Sorry bitch. Et la prochaine Glad Party, c'est le 4 décembre. Où? À la Comedy Studio des Champs-Elysées. Et il y aura tous les gens qu'on vient de citer. Et plein d'autres. Enfin, que surtout Gladys a cité, puisque j'en ai pas beaucoup cité. On était combien l'an dernier à l'Odéon? Près de 150. Quand même, hein. Donc inscrivez-vous vite parce que les places sont hyper limitées. Et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, notamment vers le site de Gladys, gladscope.fr. Oui. Gladys, merci et de bravo rien. D'avoir organisé ces Glad Parties. Non, merci à vous, merci. Je suis contente qu'on se réunisse encore et j'ai hâte. Si. Et n'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et nous, on vous dit à bientôt. Je suis nerveuse que t'as écrit ça. Partagez sur les réseaux sociaux, de donner des pouces en l'air.